Dans cette vidéo, je vais mettre Lamine Yamal en Ligue des Champions. Mais il mesure que 1m30, il est si petit. Chaque victoire que nous obtiendrons nous permettra de faire grandir Lamine Yamal de 20 cm. Et plus nous avançons dans le tournoi, plus Lamine Yamal grandira jusqu'à atteindre une taille de géant. Alors commençons par notre premier match de poule face au FC Porto. Oh les amis, regardez, on peut voir Lamine Yamal sur le terrain. Il est si petit par rapport à ses coéquipiers. J'espère que ce ne sera pas trop difficile pour ce premier match de poule. Allez, on est parti pour le match. Regardez, Lamine Yamal, il est là-bas au fond, tout en haut. Allez, il va venir réclamer le ballon. Oh, le premier contrôle du match. Donc là, je sais pas trop. Oh, il a voulu se jeter l'autre joueur face à Lamine Yamal. Allez, ça donne quoi? Ok, il a la balle au pied. Il est technique quand même. Ouais, il est assez technique. Oh non, il s'est fait récupérer la balle parce qu'il a des toutes petites jambes. Donc là, c'est vraiment difficile pour dribbler les joueurs. Ah ouais, là, c'est difficile, hein. Allez, Lamine Yamal, le contrôle, il arrive. Oh, il est tombé. Ah ouais, en fait, là, il est petit, il a pas de physique, il est quand même assez rapide. Allez, Lamine Yamal qui a le ballon, les amis. La frappe de Lamine Yamal. Oh, dans les bras du gardien. Donc déjà, on peut voir qu'il a de la patate. Donc ça, les amis, c'est plutôt positif. Allez, Lamine Yamal qui a le ballon, les amis. Est-ce qu'il peut faire des passements de jambes? Oh, ah, des dépassements de jambes. Ah, ça va être dur quand même, regarde, des passements de jambes. Parce que là, le ballon, il est un peu gros. Regardez, là, on peut voir que le ballon, il est énorme par rapport à ses jambes. Ouais. C'est la taille de son genou. En tout cas, est-ce qu'il pourrait mettre un but comme il a mis face à la France, là? On va tenter. Oh, oh, le but exceptionnel de Lamine Yamal, les amis. Incroyable. Ah ouais, là, je m'y attendais pas. Je me suis dit, bon, on va tenter la frappe. Vraiment, je pensais pas que ça allait passer, mais vraiment, le gardien, je crois, il a tout donné. Mais le ballon, il est passé juste avant. Allez, Lamine Yamal qui a le ballon, les amis. L'accélération. Allez, Lamine. Ah, c'est dur, c'est dur. On voit. Ah oui, ben oui, c'est 1m30 là face à l'autre joueur qui doit faire au moins 1m80. C'est difficile. Regardez ça, là, il essaie de s'en sortir, il frappe. Oh, oh, le deuxième but exceptionnel de Lamine Yamal en pleine lucarne à la dernière minute de jeu, les amis. Et c'est donc la fin du premier match et Lamine Yamal a gagné. Alors, on va donc pouvoir lui rajouter 20 cm. Il va donc passer d'une taille de 1m30 à 1m50. Pour le deuxième match de poule face à l'Inter, nous aurons la possibilité de relever un défi présent dans cette roue. Et si nous le réussissons, alors Lamine Yamal pourra prendre 5 cm supplémentaires à sa taille. Allez, on fait tourner la roue et ce sera le triple. Ça ne va pas être évident, surtout que pour mettre par exemple des buts de la tête avec sa taille d'1m50, ça risque d'être compliqué. En tout cas, en espérant qu'il ait de la patate dans les pieds pour mettre des superbes buts et réussir ce défi du triplé. Ah ouais, regardez, on peut voir Lamine Yamal, les amis. Allez les potes, on doit vraiment faire remporter la première Ligue des Champions à Lamine Yamal, surtout qu'il a gagné l'Euro 2024 récemment. Donc là, je pense qu'il serait content de gagner les deux trophées en quelques mois. Allez, le passement de jambe de Lamine Yamal. Oula, le coup de physique, oui, il passe. La frappe, allez, Lamine Yamal, non, Lamine Yamal, non. Oh, il a tenté la tête. Oh, c'était vraiment compliqué. Lamine Yamal, l'accélération de Lamine Yamal. Le crochet encore, Lamine Yamal, l'accélération de Yamal. Allez, la frappe croisée. Oui, le premier but de Lamine Yamal à la 61e minute, les amis, incroyable. Allez, c'est le premier but, il en reste encore 2 à mettre. Et si on réussit le triplé, on pourra prendre 5 cm supplémentaires pour le prochain match. Allez, Lamine Yamal, les amis, qui est dans le côté droit. Regardez, il est plus rapide que les défenseurs. Lamine Yamal, il ouvre. Oui. Oh, il a bien ouvert son pied, les amis. Et là, il a mis le but 2 à 0, 70e minute. Allez, pour Lamine Yamal. Oui, Lamine Yamal, la frappe. Non. Oh, la parade. Allez, regardez, il y a Lamine Yamal qui va demander la balle, les amis. Allez, pour la passe, derrière, pour Lamine Yamal. Oui. Le but, les amis, à la 90 plus 4 minutes. Incroyable. Là, Lewandowski, il a bien joué en faisant la passe à Lamine Yamal pour mettre le triplé. En tout cas, c'est une victoire du FC Barcelone pour ce deuxième match. Ce qui va lui permettre de grandir de plus de 25 cm et passer d'une taille de 1m50 à 1m75. Il faut savoir que c'est à peu près sa taille d'aujourd'hui qu'il a actuellement. Allez, on va directement passer sur le troisième match de poule de Ligue des Champions. Et le Barça va devoir affronter le FC Séville. Quel sera maintenant le défi à réaliser pour Lamine Yamal? On fait tourner la roue et ce sera le tour du monde. Oh là là, il va devoir faire un geste de freestyle en plein match. Là, l'entraîneur, il va pas être très content, donc il va falloir peut-être le faire assez rapidement et furtivement. Oh, regardez, on peut voir, les amis, Lamine Yamal, là, à ce niveau-là, il fait quasiment la même taille que les autres joueurs. Donc là, il va pouvoir avoir sa taille actuelle et son niveau qu'il a aujourd'hui. Oh là là, Séville, la grosse frappe. Oh, 10e minute de jeu et on va se prendre un but par le FC Séville. Donc là, il va falloir se ressaisir parce que si on perd ce match, on pourra pas faire grandir Lamine Yamal de 20 cm. Ouais, allez, c'est parti. Oui, oui. Oui, le but, les amis. Oh, c'était tellement compliqué là, on a vraiment galéré. Mais on a fini par marquer, magnifique. Allez, Lamine Yamal, quel ballon. Oh, vous savez ce qu'il va tenter? Un tour du monde. Oh, il fait des tours du monde, incroyable. Ah, il s'est fait prendre le ballon juste après. Mais je crois que le joueur était pas content. Il s'est dit là, faut arrêter les tours du monde. On n'est pas là pour faire du freestyle. Et on vient de réussir le défi du tour du monde avec Lamine Yamal. Et il faut savoir que dans la vraie vie, il sait aussi le faire. Donc il est vraiment très technique. Allez, le passement de jambe de Lamine Yamal, il part sur le côté. La frappe enroulée. Oh, il a fait la crossbar challenge. Allez, c'est parti avec Robert Lewandowski, les amis. Allez, face au gardien, c'est le 1v1.
Oui! Et c'est le but, les amis, des Barcelonais. Et c'est donc une victoire plus un défi réussi pour Lamine Yamal, ce qui lui fera récupérer 25 cm en plus pour son prochain match en 8e de finale. Direction les 8e de finale de cette Ligue des Champions, Lamine Yamal mesure désormais 2 mètres. Lors de ce match en 8e, il va jouer contre l'Atlético de Madrid, le club de Antoine Griezmann. Et quel défi va-t-il devoir réaliser? On fait tourner la roue. Et ce sera. Le lob sur le gardien! Oh là là, les amis, il va devoir aller affronter le gardien en 1v1 et le lober. Je pense que les gardiens, ils doivent pas du tout aimer ça. Donc là, s'il réussit, c'est vraiment très fort. Allez, les joueurs rentrent sur la pelouse. J'ai trop hâte de voir Lamine Yamal avec ses 2 mètres de hauteur. Là, on dirait plus qu'il va aller faire un basket qu'un foot. Là, déjà, on peut le voir, il fait quasiment une tête de plus que ses coéquipiers. J'imagine pas s'il gagne le match et qu'il réussit son défi, il va être beaucoup plus grand. Allez, je suis avec Lamine Yamal. Oh. Il est immense, là, les grandes jambes qu'il a. Alors là, il doit courir super vite. Et là, la frappe, oh, le contre. Ah, il a dû avoir trop mal, le joueur. Il la passe à Lamine Yamal. Lamine Yamal, l'accélération, il est... Oh, il est super rapide. La pichenette. Oui. Oh, le joueur d'Atletico, les amis, il allait faire dodo dans les cages. Mais Lamine Yamal nous met un magnifique but en lob, ce qui fait qu'il a réussi son défi. Et il pourra récupérer à la fin de ce match 5 cm supplémentaires. Allez, Lamine Yamal, la frappe. Oh non. Allez, pour Lamine Yamal. Oh, la tête plongeante. Oh, oh non. Le gardien était trop fort. Allez, dernière occasion pour le Barça, les amis. Allez. Oh. Il est tellement précis, il est tellement fort. Lamine Yamal, les amis. Ce but exceptionnel, regardez, à la dernière minute de jeu. Et là, bien évidemment, tous ses coéquipiers qui viennent le féliciter. Non, mais vraiment, ça, c'est sa spéciale. Vraiment, la même frappe qu'il a mis face à l'équipe de France lors de l'Euro. Ces huitièmes de finale se terminent par une victoire du Barça, plus les défis réussis de Yamal en lobant le gardien, ce qui fait qu'il pourra récupérer 25 cm de plus à sa taille et il passera de 2 mètres à 2m25 pour le prochain match en quart de finale face à Manchester City. Quel défi va-t-il devoir réaliser pour son prochain match? Et ce sera... le penalty. Oh, regardez, on peut voir Lamine Yamal, les amis. Et là, il fait pas une tête de plus, il fait 2 têtes de plus que ses coéquipiers. Il mesure plus de 2m25. Allez, Manchester City face au gardien, le 1v1. Non. Et les amis, c'est l'ouverture du score de Manchester City face à Barcelone. Et là, on est vraiment mal parti dans ce match. Allez, Lamine Yamal. Et l'accélération. Allez, Lamine Yamal. Regardez les grandes jambes, les amis. Oh, la grande traversée. Lamine Yamal. Le crochet de Lamine Yamal. La frappe. Oui. On termine ce match sur un match nul. Et c'est maintenant la fameuse séance des tirs au but. C'est le moment ou jamais pour Lamine Yamal de réaliser son défi de mettre un penalty. Et en plus de ça, il faut absolument gagner cette séance pour pouvoir passer au prochain match. Sinon, on sera éliminé et on ne verra jamais de Lamine Yamal, un géant. Allez, c'est De Bruyne qui commence. Allez, face à Ter Stegen, le gardien de Barça. Oh, oh, la méga lucarne qu'il a mis là, il est vraiment très fort. Allez, Lamine Yamal. C'est maintenant ou jamais pour Lamine Yamal, les amis. Allez, oui. Il vient de mettre son but sur penalty, c'est-à-dire qu'il pourra récupérer 5 cm de plus à sa taille. Allez, maintenant, faut qu'il gagne ce match. Donc, ça passe par la séance de tir au but. Allez, c'est parti. Oh, le contre-pied parfait. Là, ils mettent de belles lucarnes, Manchester City. Hein. Lewandowski. Oh, la méga frappe. Allez, c'est parti avec Bernardo Silva. Oh. Allez, faut la mettre là pour l'instant. Il y a 3 à. Ouh, 3-3. Magnifique. Bien joué. Allez, Phil Foden. Contre-pied parfait. Allez, 4-3. Donc, c'est un peu stressant quand même, les amis, parce que là, Yamal, il faut absolument qu'il gagne cette séance de tir au but face à Manchester City, sinon il sera éliminé. Il ne verra jamais en géant. Allez, c'est parti. Oui! Les amis, c'est le pénalty arrêté. Allez, il faut absolument la mettre avec Pedri. C'est maintenant ou jamais avec Pedri. Allez, Pedri! Oui! Et c'est une victoire, les amis, de Barcelone. Et 20 cm de plus que pourra récupérer Lamine Yamal à sa taille grâce à cette victoire. Lamine Yamal a maintenant grandi de 25 cm supplémentaires et fait maintenant une taille de 2 m50. Il est vraiment gigantesque. Il va maintenant participer à son match de demi-finale face au PSG. Pour cette demi-finale, quel défi va-t-il devoir réaliser? On fait tourner la roue des défis et ce sera... le but de la tête. Oh là, normalement, ça devrait être plutôt facile puisqu'avec cette taille de 2 m50, tu veux envoyer un ballon en hauteur, ça sera le seul à le toucher de la tête. Hein. Oh, alors là, il mesure 2 m50. J'ai l'impression qu'il fait deux fois ses coéquipiers. Et dites-vous qu'il est même pas à sa taille de géant encore, mais il s'y approche. On fait la passe à Lamine Yamal. Regardez ça. Oh là, regardez. Mais c'est... il se balade sur le terrain. Oh, là, il oh fait... c'était joli là ce qu'il vient de faire. Oh, oh. Oh, le but du PSG, les amis. Allez, Lamine Yamal. Oh, oh, il a fait un passement de jambe sur le joueur. Oh, alors là, je n'en reviens pas, les amis. Il est exceptionnel, Lamine Yamal. Il a fait un passement de jambe avec le ballon et avec le joueur. Il passait par-dessus le ballon, carrément. Il a continué. Derrière, il a mis une méga frappe. Le gardien, il a eu peur. Il a mis tout droit dans les buts. Il s'est dit, moi, j'ai pas envie d'avoir d'ennui avec Lamine Yamal. Allez, on est parti sur le côté, les amis. On va centrer directement à Lamine Yamal qui est là-bas au fond. Le centre.
Oh. Allez, c'est parti pour le corner. Regardez là-bas au fond. On peut voir le gigantesque Lamine Yamal pour la tête. Oui. Oui. Les autres joueurs, ils étaient dégoûtés. Mais tu m'étonnes, Lamine Yamal, même le gardien en sautant, il peut même pas avoir le ballon. Lamine Yamal est tellement grand. Et c'est donc une victoire de Barcelone face au PSG, direction la finale. On est maintenant parti pour la grande finale de Ligue des Champions. Lamine Yamal a pu continuer à grandir jusqu'à atteindre une taille de 3 mètres. Il est vraiment gigantesque. Maintenant, on va essayer de gagner la Ligue des Champions face au Real Madrid. Et quel défi va-t-il devoir réaliser? On fait tourner la roue. Et ce sera la retournée. Donc là, il va devoir mettre une retournée en finale de Ligue des Champions. Mais là, avec ses 3 mètres de haut, quand il va tomber par terre, ça va être un tremblement de terre. Oh là là. Lamine Yamal, il est immense par rapport à ses coéquipiers. Alors là, ça va être incroyable, cette finale de Ligue des Champions. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Oh là là, regardez le fond de Lamine Yamal qui est juste immense. Allez, il va récupérer la balle. Regardez, il est immense. Oh, il a réussi à perdre la balle en plus. Ah, il est presque passé entre les jambes pour récupérer le ballon. Lamine Yamal qui se met à accélérer. Oh là là, regardez l'accélération de Lamine Yamal. Non mais il est immense, regardez, on dirait des fourmis à côté. Oh, il s'est fait rattraper. Allez, on va voir sur une frappe ce que ça pourrait donner, parce que là c'est une balle de ping-pong. Oh, oh, j'ai l'impression qu'il a du mal à prendre le ballon, il tire dans la terre carrément. Allez, Lamine Yamal, la grosse frappe. Oh là, il se rapproche là, mais il veut mettre son but. Oh, la puissance. Oh, il sent même défiler tellement qu'il est grand. Regardez comment il court vite. Qu'est-ce qui lui arrive? D'ailleurs les amis, vous préférez Lamine Yamal quand il est tout petit ou alors quand il est géant? Dites-nous dans les commentaires. Et on va voir s'il sait faire un tac pour récupérer la balle. Oh, oh, c'est Mbappé je crois en plus qui a mis le but. Ouais, incroyable. Allez, le match est relancé. Oh non, oh non. Les amis, Lamine Yamal, il a attaqué notre propre défenseur. Du coup il pouvait plus défendre. Et là le joueur du Real il s'est retrouvé seul, c'était Kylian Mbappé. Il a mis le doublé. Allez, Lamine Yamal les amis. Allez, qui accélère? Lamine Yamal, le crochet. Oh, il a failli une CR7. Oui, le but exceptionnel. Vous avez vu, il a fait une sorte de Cristiano Ronaldo shop, CR7 shop. Mais en tout cas, ça a touché, je crois, plusieurs défenseurs et ça finit dans les buts, donc ça, c'est parfait pour nous. Allez, 2-2 entre le Real Madrid et le Barça. Allez, faut absolument qu'on mette un autre but. Allez, les amis, il y a eu une superbe faute, ce qui nous a permis d'avoir un super coup franc. Allez, c'est parti, je vais l'envoyer à Lamine Yamal et on va tenter la retourner. Robert Lewandowski pour Lamine Yamal. Oh, incroyable les amis. Et la retournée de Lamine Yamal. Incroyable, regardez comment il est super grand. C'est clairement un géant. Et on vient de faire remporter la première Ligue des Champions à Lamine Yamal, il était juste incroyable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous pouvez retrouver mes ballons Star Freestyle, le lien est dans la description. Et retrouver ma précédente vidéo juste en cliquant ici. Vous allez adorer.